Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous invite de venir massivement à partir de ce vendredi. Donc vendredi, nous serons là pour un programme particulier, la délivrance totale. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, de venir avec ta famille, parce que je crois que l'onction va descendre. Donc à partir du vendredi, déjà la porte sera ouverte, à partir de 20h. Nous allons ouvrir la porte pour toi. Donc, venez en famille et je crois que le Seigneur va te bénir. Si tu es malade, viens y voir. Si tu es fatigué, viens y voir. Si tu es affaibli, viens y voir. Si tu as un problème spirituel, viens y voir. Si tu te sens bloqué, viens y voir. Parce que je crois que la gloire va descendre. Vraiment, l'onction de Dieu va agir. Nous serons connectés avec vous tous, par la grâce de Dieu, à partir de 20h. Donc, le vendredi 12, à partir de 20h, et le samedi, à partir de 14h. Donc, ne manquez pas ces programmes. Je crois qu'il est temps que tu vois la puissance de Dieu. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, viens et voir la puissance de Dieu. Viens et voir l'onction de Dieu. Viens et voir la manifestation de la grâce de Dieu. Peut-être que tu as des doutes, tu te poses des questions. Oui, je suis fatigué. Oui, ça commence encore. Non, ça ne commence pas. Ça, cette fois-ci, ça sera différent. Notre Dieu, il est un Dieu qui fait des grandes choses. Viens voir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Je crois que l'onction va agir, la puissance va agir. Et le pasteur Daniel aussi, le pasteur Daniel Vendeni, sera avec nous par la grâce de Dieu. À partir de 20h, nous allons aller jusqu'à l'aube. Et le samedi 13, à partir de 14h jusqu'au soir. Amen. C'était Joël Onekanda et je suis déjà sur Paris. Je vous attends. L'équipe de Rema Web est déjà là. On vous attend. Ne manquez pas de venir vendredi 12 à partir de 20h. Nous serons là par la grâce de Dieu. Nous allons vous accueillir le samedi 13 à partir de 14h. Vraiment, j'espère qu'on va se voir parce que je crois que la puissance de Dieu va agir dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.